Munyemere nibasuhuze inshuti bakunze mukurikiye Pacis TV tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro kw'Imana aho tuganira n'imiryango itandukanye y'abihaye Imana nkuko tubimenyere tuba turi kumwe n'abatumirwa mu kiganiro cyacu uyu munsi rero turi kumwe n'umuryango mugiye kwibonera muri studio za Pacis TV reka tubakire kandi tubahe ikaze murakaza neza murakoze turi kumwe rero n'ababikira ab'umwana Yesu nibo tugiye kubana aho turi kumwe na Sœur Marie Emmanuel ndetse na Sœur Marie Anastasie nibo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cyanone ariko kandi mwari bumenyere ko ikiganiro cyacu kiba mu rurimi rumwe gusa ikinyarwanda uyu munsi ntabwo ariko biri niyo mpamvu nimuza kumva twavanze indimi nuko biri buze kuba byagenze murakaza neza rero reka tubaho umwanya hanyuma mutangire igikorwa cyacu n'isengesho Sœur Marie Emmanuel on peut commencer avec la prière au nom du père et du fils et du Saint-Esprit amen au lendemain de la Pentecôte nous appelons encore la force de l'Esprit Saint viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Dauli mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu, nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyawe arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urashye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Sœur Emmanuel urakoze cyane kutuyoborera isengesho numvise uzi n'ikinyarwanda uragerageza merci beaucoup naba tugiye kubana rero mu kiganiro cyacu cyanone hanyuma twihuse mu kiganiro Sœur Emmanuel Kaundire Sœur de l'Enfant Jésus c'est qui les sœurs de l'Enfant Jésus alors ce sont des sœurs qui sont nées en 1835 en France, après la Révolution française, c'est-à-dire que la France était restée dans un état bien difficile, surtout sur le plan de l'Église et de la foi. Et donc, il y avait très peu de personnes qui manifestaient leur foi, il y avait relativement peu de prêtres, puisque beaucoup avaient été massacrés pendant la Révolution française. Et donc, nous sommes nés dans un village, Neufchâtel en Saônois, en France, tout près de là où est née Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais 38 ans après nous. Donc vous entendez déjà Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les sœurs de l'Enfant Jésus, même si on n'a rien de commun avec Thérèse au niveau d'une fondation commune, il y a quand même une spiritualité qui était une réminiscence du XVIIe siècle en France au niveau de l'école française de spiritualité. Alors au tout début, on s'appelait Association de Saint-François de Sales parce que nos premières sœurs ont été fondées et formées surtout dans un monastère de la Visitation qui a été fondé par saint François de Sales, précisément au XVIIe siècle. Et donc nous sommes tout à fait dans la spiritualité de l'incarnation, du Verbe incarné, du Christ, centre de notre foi. Merci beaucoup ma sœur. Je pense que qui a fondé les sœurs de l'Enfant de Jésus? Pas de l'Enfant de Jésus, de l'Enfant Jésus. Qui a fondé ça? Le père Roussel, c'était un curé de paroisse. Et vous savez, là, peut-être que je vais trop vite, mais nous sommes à Mouchat. En fait, on a été fondés dans le même cadre, n'est-ce pas? Dans un village, avec des prêtres, avec un curé de paroisse, qui vraiment a soutenu la vocation des jeunes filles qui voulaient se donner au Seigneur, dans un village, ma foi, assez déchristianisé, comme je vous le disais. Oui, oui. Et ce prêtre est resté 48 ans curé de cette paroisse. Et donc, c'est un saint homme. Il n'est pas canonisé, mais il fait partie des saints.
n'est-ce pas? Si. Et donc, on l'appelait même le bon père Roussel. Ok. Il a fondé dans quelle année au Caire? Alors, lui, il était déjà prêtre depuis à peu près 17 ans et curé depuis pas mal de temps aussi dans notre paroisse. Et nous avons été fondés le 5 août 1835. Merci. Nshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV turi mu kiganiro kw'Imana twabibabwiye ko tuza gukoresha indimi zivanze kugira ngo tuze kubasha kumva cyangwa kugendana neza muri iki kiganiro. Hanyuma nkuko twabibabwiye rero turi kumwe na Sœur Marie Anastasie twamuhaye ikaze muri studio za Pacis TV tugira ngo tumubaze ku bigendanye n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo nyaboneka hatagira umuntu uza gucikanwa akagenda atumvise twababaza rero tuti ese iyo bavuze umuryango wanyu ni muryango ki ese mwitwa bande mwafunzwe nande ninde wabashyizeho ryari se twihuse ye murakoze umuryango wacu ngiye kugerageza kusubira mu byo Sœur Marie Emmanuel kugira ngo dufashe abatashoboye kumva ururimi rw'igifaransa umuryango wacu witwa ababikira b'umwana Yesu tukaba twarashinzwe na numupadiri wari padiri mukuru ya paruwase witwa padiri Joseph Ruseri afashijwe na mademoiselle Désiré Ruel bose n'abafaransa umuryango wacu washinzwe mu gihugu cy'ubufaransa muri paruwase yari ahantu mu cyaro nkuko natwe turi hariya mu Rwanda imusha iyo paruwasi ikitwa Neufchâtel en Saônois muri diocese ya Oma mu gihugu cy'ubufaransa umuryango ukaba warashinzwe mu w'igihumbi 1835 ushingwa aho muri ako paruwasi gato ndakitaga paruwasi gato kuko hari ahantu vraiment rwose h'icyaro dufite kilometero 15 zidutandukanya naho Teresa w'umwana Yesu avuka twebwe rero twashinzwe imyaka 38 imbere y'ivuka rya mutagatifu Teresa w'umwana Yesu. Urakoze hanyuma dukomeje ikiganiro ntekereza ko namwe mukurikiye Pacis TV mubashije gusobanukirwa iyo bavuze ababikira b'umwana Yesu aho batangiriye ndetse n'ababigize mu ruhare. Hanyuma rero dukomeze kwa Sœur Emmanuel est-ce que le charisme de la congrégation. Alors le charisme, en fait, c'est pas seulement une chose. Le charisme, c'est à la fois l'action que nous menons, n'est-ce pas? Et nous sommes nés par la mission et pour la mission. C'est-à-dire, Sœur Marie Anastasia a parlé de Désiré Ruel, cette jeune fille qui voulait être religieuse et qui en fait en a été empêchée par sa maman qui ne voulait pas, par sa famille qui s'y opposait. Et donc devant cet état de fait, son curé à qui elle se confiait, c'était son père spirituel, lui a dit « Mais voilà, elle a commencé à voir que les enfants étaient très pauvres et n'étaient pas enseignés. Elle a vu aussi qu'il y avait des malades autour d'elle qui n'étaient pas soignés, des malades à domicile. Et en fait, Désiré Ruel s'est mise au service de la population de son village, avec un désir, avec un feu qui brûlait en elle, parce qu'en fait, elle voulait se consacrer, n'est-ce pas? Et donc, elle n'a pas commencé par être consacrée, enfermée dans un monastère, parce qu'en fait, il y avait aussi le monastère de la Visitation au Mans, tout près de chez nous, la ville principale du diocèse. Et elle a commencé par la mission. Et donc, nous sommes nés par la mission et pour la mission vis-à-vis des plus pauvres, n'est-ce pas? Et nous sommes toujours là pour les plus pauvres, les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, les malades qui ne pouvaient pas être soignés. Et le charisme, c'est ça. C'est déjà cette inspiration d'une action, mais en plus, un esprit nous a été donné. Alors cet esprit nous a été donné, voilà, par, comme je disais au début, par la spiritualité
de la Visitation du XVIIe siècle, et puis peu à peu, on a été formé à la Visitation de Versailles, qui s'appelait le monastère de la Sainte Enfance. Et le fait que ce monastère porte son nom, que nos premières sœurs qui ont prononcé des vœux, c'était dans ce monastère, eh bien, on a gardé la spiritualité de l'enfant Jésus. Donc le charisme, c'est à la fois l'esprit et à la fois l'action et la mission. Merci beaucoup, monsieur. Hanyuma turacyari mu kiganiro cyacu rero, hanyuma umubikira uri kudufasha nyine mu rujwi rw'ikinyarwanda, muramwumva, twagira ngo mutugaragarize itandukaniro riri hagati y'umuryango wanyu n'indi miryango, kuko tubona imiryango y'abihaye Imana itandukanye hano mu Rwanda. Murakoze. Ye, imiryango y'abihaye Imana yose, twese tubereyeho kuvuga ubuntu bw'Imana, gutanga ubuhamya ko Imana idukunda kandi twese tuzayisanga. Impano rero buri muryango wese buri muryango uba ufite, kubera umwete umuryango wose uba ufite mu bikorwa cyangwa se muri iyo mpano yahawe n'uwawushinze, niyo ituma tubasha kuvuga ngo dutandukanye n'umuryango uyu n'uyu n'uyu. Twebwe rero ababikira b'umwana Yesu, murumva iryo jambo umwana Yesu, biragira ikintu cyo bibabwira. Uwadushinze yadusabye kwiga ingendo n'imico n'imyifatire tugendeye ku mwana Yesu. Ibyo tukaba tubikura mu itegeko twahawe na Yesu muri Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 3. Ngo nimutabaho nk'abana bato ntimuzinjira mu ngoro mu ngoma y'Imana. Tugerageza rero gukurikiza iryo tegeko twahawe na Yesu ubwe, kandi twagiriwemo inama n'uwadushinze, tugerageza kwiga ingendo z'umwana muto mu kwicisha bugufi, mu kwiyoroshya, mu kubana na buri wese, kwakira duciye bugufi kandi tukurikiza ibyo Yesu dusaba, kuko Imana ari umubyeyi wacu natwe tukayibera abana. Urakoze cyane. Muri kumva ko urugendo rwabo cyangwa se ubuzima babayemo bafite navuga ngo itandukaniro bitewe n'umuryango babarizwamo, nkuko babivuze ko n'ababikira abo mu mwana Yesu. Sœur Emmanuelle, je pense que vous faites le chemin pour arriver sur le vœu. Quel est le chemin vous faites vous? Alors, si c'est un chemin universel, n'est-ce pas, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver au vœu. Quand des jeunes se présentent à nous, si elles ont déjà eu un contact avec nous, si elles sont venues à une session que nous proposons ou à plusieurs, elles rentrent. Et alors, ici, dans le cadre du Rwanda, il y a toujours une année, on appelle l'aspira, c'est essentiellement pour le français. Oui. Puis après, elle rentre au postulat. Alors là, c'est déjà la première étape officielle pendant, on va dire, une année. Donc ça fait déjà 2 ans avec nous. Puis après, il y a le noviciat, qui est vraiment la formation officielle. Et il y a la première année, ça dure 2 ans. La première année, on l'appelle l'année canonique, c'est-à-dire qui correspond à une loi de l'Église au niveau de la vie religieuse et de la formation religieuse. Puis, ces jeunes filles suivent alors des cours très importants au niveau de la communauté. Je suis la maîtresse des novices à présent. Nous avons une maîtresse des postulantes, Sœur Marie-Thérèse. Et puis, elles vont aussi à l'interpostulat et à l'internoviciat de Kigali, qui est cette formation en église. Et elles aiment beaucoup ça parce qu'elles se retrouvent avec des jeunes de leur génération, de leur niveau de formation, qui ont le même désir qu'elles, se donner à Dieu de tout leur cœur. Merci beaucoup. Je pense, est-ce que vivez-vous dans la congrégation? Comment? Alors, dans la communauté, nous sommes, je parle de ce que je vis, n'est-ce pas, au niveau ici de la formation, nous partageons la vie avec des sœurs professes. Nous sommes 11 actuellement dans notre communauté de Moucha. Nous sommes une 20aine au Rwanda. Et nous partageons comment? Eh bien, il y a la communauté noviciale, mais qui rejoint aussi la communauté des professes, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça chez nous, et la vie se déroule très bien. Nous avons des professes en mission.
n'est-ce pas? Dans nos écoles, on va en parler après. Et nous avons les jeunes en formation qui vivent vraiment à l'intérieur de la communauté. Merci beaucoup. Je pense que à la maison, vous faites beaucoup aux différentes choses à la maison. Bien sûr. C'est très varié. Alors, il faudrait leur demander à elles, n'est-ce pas? Mais souvent, le matin, alors, vous allez voir tout à l'heure que, voilà, il y a de la musique dans la maison, mais c'est vrai que les novices aiment beaucoup chanter. En général, les Rwandais et les Rwandaises aiment beaucoup chanter, alors elles aiment ça énormément. Et puis, j'ai eu la grâce de pouvoir leur apprendre un instrument de musique, à un groupe, parce que je ne peux pas recommencer ça toutes les années, de la flûte à bec, et nous jouons... piano, flûte à bec, nous chantons à plusieurs voix, et c'est la chorale de l'enfant Jésus. Merci. Est-ce que vous avez au nombre de combien? Alors, 6 novices et... Amoucha. Et 5 professes, dont sœur Marie-Anastasia et moi-même, et des sœurs en mission qui ont des responsabilités éducatives. Nous sommes 11. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 3 communautés, Azaza, et Aniamata. Merci beaucoup. Je te bakunze mukuru ki pache Steve Sœur Marie Emmanuel yatubwiraga urugendo rukorwa kugira ngo umuntu agere ku masezerano ube waba umubikira umwana Yesu. Hanyuma dufashijwe na Sœur Marie Anastasie agiye kutubwira urugendo muri make rukorwa kugira ngo umuntu abe yagera kuri aya masezerano, atubwire umubare ubarirwa mu ngo zabo ndetse n'ibikorerwa hariya mu rugo ahabarirwa community zabo nkuko ma Sœur Sœur Emmanuel yaramaze kubitubwira. Urakoze cyane umwanya n'uwawe. Ye murakoze. Ye urugendo abari bifuza kwiyegurira Imana bakaba barahisemo kuba iwacu, hari intera ya mbere twita prepostira nkuko Sœur Marie Emmanuel amaze kubivuga. Icyo cyiciro niho urubyiruko ruje rutwegera, niho bigira ururimi rw'igifaransa kuko dukunze kurukoresha cyane cyane mu masomo cyangwa muri za interinovisia cyangwa interpostira. Uwo mwaka niwo bigamo ururimi. Hakaza intera ya kabiri twita postira, cyo ni icyiciro cya mbere rwose umuntu wifuza kwiha Imana agerageza kwimenya no kumenya umuhamagaro we icy'Imana imushakaho mu muryango wacu. Yebwo bimara umwaka umwe. Hanyuma hakaza intera ya gatatu ariyo novisia, ho icyo gihe koko mu mwana w'uwo mwari aba atangiye kwiga mu by'ukuri no gucengerwa iby'umuryango wacu yahisemo. Hanyuma igice cya novisia kimara imyaka ibiri, nyuma y'iyo ntera nibwo umujene aza gukora amasezerano ya mbere. Nyuma y'amasezerano ya mbere rero ni nabwo umaze gukora amasezerano yinjizwa mu butumwa muri misiyo zacu, bigatuma noneho akurikiza inama z'ivanjeri z'ibyo yize n'ibyo agenda avumbura muri misiyo zacu, bikamufasha kurushaho kuryoherwa n'umubano we n'Imana. Hanyuma icyo gihe icyo cyiciro tukaba cyita juniora, aricyo akomeza kubamo avugurura amasezerano buri mwaka kugeza ubwo akoze amasezerano ya burundu. Icyo cyiciro nacyo kimara hagati y'imyaka 6 cyangwa 9. Ayo masezerano kandi tuyakora muri kiliziya. Urakoze. Hanyuma hari ikibazo nibajije, ese umwana wagize icyo gitekerezo cyangwa inyota yo kumva yakwiye Imana, ese nka nta kigero cy'imyaka mugenderaho kugira ngo mube mwakemerera abantu, wenda tukuvuge niba mwahisemo imyaka 18 cyangwa 20 kugira ngo n'abadukurikiye nk'uwagira inyota avuge ati ndi mu cyiciro cy'imyaka runaka bashobora kunyakira. Nibyo koko dukunze kwegera urubyiruko kuko ni nayo misiyo ikomeye dufite yo kwakira no guherekeza urubyiruko mu magroupe vocationnel. Imyaka rero tugiramo inama urubyiruko ruje rudusanga ni hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30. 30 urumva ko atari mike, bishobora kubaho ko imyaka ishobora kurenga, ariko icyo gihe tugerageza kurebera hamwe kugira ngo turebe impamvu kubera iki imyaka 30 cyangwa 32 ntago ari mike, ariko
Imana ntabwo igira urugero aho ivuga iti ndahamagaye kugeza kuri uyu mwaka uyu n'uyu. Ni ngombwa ko dushyiraho urugero kugira ngo tubashe kumvikana kuri ku myaka nyine. Hanyuma tukanasaba ko abaje iwacu bagerageza nibura bakaba bafite imyaka itandatu y'amashuri yisumbuye bitabujije no gukomeza. Ariko nibura aho niho dutangirira. Urakoze cyane wowe wagira igitekerezo cyo kwifatanya n'uyu muryango wabihaye Imana wabyumvise utari warenze iyo myaka nyine ushobora kuza ugafatanya nabo ubutumwa hanyuma ubuzima bukaryoha ukaba wihaye Imana mubabikira umwana Yesu. Hanyuma Masweri nkubaza ese hari imiryango yabihaye Imana tubona ifite abafurere hakaba hari ababikira ariko n'abafurere ese mwebwe byabyubatse bite? Twebwe kugeza ubu turi ababikira b'umwana Yesu ntabwo dufite irindi shami ryo abafurere cyangwa abapadiri. Murakoze cyane. Hanyuma reka tubaze Marie Emmanuel. Comment ça va? Très bien, très bien. En votre compagnie. Est-ce que je pense que vous avez dans l'église, quelle est la participation dans le développement de l'église? Alors, vous voyez que nous avons donc des missions qui se sont orientées vers l'éducation des jeunes depuis le début, puisque c'est notre charisme, vers le soin des malades. Alors ici au Rwanda, c'est vrai que pour le moment, nous n'avons plus de responsabilité au niveau du soin des malades ou de mission, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est terminé. Ça peut très bien reprendre un jour. Et nous avons par contre une grande mission au niveau de l'éducation. Et nous travaillons beaucoup avec l'Église. Alors, éducation au niveau des paroisses, nous sommes très paroissiales puisque nous avons été fondés par un curé de paroisse. Nous aimons donner la catéchèse, nous aimons participer au groupe vocationnel. Voilà, nous aimons beaucoup participer à la liturgie, on va en parler. Mais aussi, nous avons des écoles, que ce soit ici ou en France, n'est-ce pas? Et donc, ces écoles, ce sont des écoles, pour la plupart, des écoles de métier. Et donc, comment on participe avec l'Église? La première mission, c'est l'éducation. C'est donner aux jeunes un avenir. Et pour nous, c'est essentiellement à travers la promotion de la femme et de la jeune fille. Vous savez, les pauvres que nous recevons dans nos écoles, à Zaza, à Moucha, ce sont vraiment des jeunes, si elles ne trouvaient pas notre école, elles ne pourraient pas étudier. Elles n'auraient aucun moyen d'apprendre quelque chose. Et donc, j'estime que ça, c'est vraiment en lien avec l'Église, parce qu'en fait, nous sommes tout près de notre Église, nos prêtres s'intéressent à ce que nous faisons, et nous essayons de catéchiser nos jeunes, de témoigner de la bonne nouvelle, et de les amener au sacrement autant que le Seigneur nous le souffle et autant qu'elles ont le cœur ouvert. À nous de donner aussi un témoignage, n'est-ce pas, qui les attire non pas tant à nous, mais au Seigneur et à son amour. Merci. J'ai vu un piano devant vous. Est-ce que vous pratiquez un peu de minutes pour apprendre quelque chose? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour pratiquer. Quand j'étais jeune, puisque j'ai été formée en musique, oui, je jouais pas mal. Mais là, beaucoup moins. Mais pour rendre service au Rwanda, alors vous demandez en église, c'est vrai que nous avons aussi, je dis parce que c'est la communauté, beaucoup été sollicités et participé aux congrès différents. Et nous avons eu dans ce pays deux magnifiques congrès de la miséricorde en 2010 et en 2016. Et j'ai été sollicitée. Alors tout le monde connaît... Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, donc j'ai composé cet hymne. J'ai aussi composé l'hymne du prochain congrès eucharistique. Et puis, j'aime jouer une musique sans chanter, mais qui nous fait rentrer dans un monde d'imagination. Est-ce qu'on peut faire un peu de musique? Alors, si ça vous dit, un peu de minutes, oui. Deux minutes. Oui, oui. Alors, par exemple, c'est un morceau que vous ne connaissez pas, c'est du Jean-Sébastien Bach, 17e siècle, en Allemagne, et ça va commencer comme ça. Vous voyez, on pourrait croire que ce sont des oiseaux, on peut croire que c'est l'Esprit-Saint qui est au-dessus de nous, là. Et puis, on continue de vivre avec la grâce de l'Esprit et avec la mélodie qui nous entraîne. Thank you.
Murakoze cyane. Merci beaucoup. Merci d'écouter. Très agréable. Merci. Ye mwumvise rero uburyo abasha gucuranga inanga ye ukumva ijwi nyine mwabyumvise ko bakora ibintu bitandukanye harimo n'umuziki. Hanyuma tugiye kubaza rero umuvandimwe Sœur Anastasie adufashe kuko twari tubajije Sœur Emmanuel atubwira muri rwa rurimi nyine rutumvwa na benshi tugira tuti ese n'uruhe ruhare rwanyu mu iterambere rya Kiliziya. Ye uruhare mu iterambere rya Kiliziya ni impano dukurikirana twahawe nk'uko nabivuze mu ntangiriro twahawe n'uwadushinze mu bikorwa dufite mu mashuri kwegera urubyiruko gatigisimo no gusura abarwayi cyangwa abandi batishoboye. Yenda hari ikintu yavuze Sœur Marie Emmanuel abantu batashoboye gusobanukirwa mu kudushinga twashinzwe na Padiri Joseph Russeri na Mademoiselle Désirée Ruel ariko badushinze kubera iyihe mpamvu kubera abakene bariho muri icyo gihe kubera roho zari zifite inyota zari zimaze imyaka irenga icumi zitabwirwa inkuru nziza zitabwirwa Imana. Ye ibyo rero dukora muri Kiliziya kugira ngo dufashe gutera imbere Kiliziya ni ibikenewe aho turi hose. Ni ukuvuga ngo nk'uyu munsi kizishobora kuduhamagarira gukora umurimo uyu n'uyu n'uyu. Ubu ngubu ibyo dukora twita ku rubyiruko cyane cyane muri za TV school aho turera abana b'abakobwa cyane cyane batifashije batifite hari nabo dufite ndetse batazi no gusoma no kwandika ariko cyane cyane bafite n'ubukene bwo ku mutima batazi Imana bihebye tukabafasha kugira ngo biyubake bigirire icyizere kandi biteze imbere. Murakoze mbere yuko tugana ku musozo ntekereza ko mwabibonye aba bantu turi kumwe bazi umuziki cyane niyo mpamvu tugiye kubasaba muri aka kanya kugira ngo batugezeho cyangwa baturirimbire indirimbo navuga bateguye kutugeza kugira ngo n'abakurikiye Pacis TV mwumve uburyo aba babikira bajya bisanzura iyo bari hari iwabo nk'uko yabibabwiye ko bakora umuziki cyane banaririmba indirimbo zitandukanye. Tubahaye umwanya kugira ngo mutugezeho iyo ndirimbo. Nous allons chanter oui, oui. le chant en français, oui, oui. mais sachez qu'il va être chanté en Kinyarwanda dans les paroisses la prochaine fois et aussi en anglais. Mais là, on vous donne un petit aperçu oui, en français. Oui, oui. Merci. On peut commencer. Oh, ma langue, le mystère du corps.
cyane kuturirimbira n'abadukurikiye ntekereza ko bumvise iyo njyana nziza mu majwi adasanzwe yaba bihaye imana ni bimwe mu bikorwa bakorera hariya aho babarizwa mu ngo zabo nkuko bari bamaze kubitubwira hanyuma mbere yuko tugana ku musozo rero reka tubashimire ku buryo muducurangiye neza ubwo ubutaha ntekereza ko tuzashyira no mu ndimi zose ntabwo byakunda ko baturirimbira no mu kinyarwanda bitewe n'iminota aho igeze ariko reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tubanzirize kuri Anastasie ese niki wabwira abakurikiye Pacis TV ku bw'aka kanya yaba ababyeyi cyangwa se urubyiruko ku bw'ikiganiro tugiranye nta kindi navuga uretse kubashimira kuko uyu ni umwanya wo kugira ngo duhamye tuvuge ibyishimo dufite byo guhamya ko twiyeguriye Imana kandi dushimira ababyeyi bacu kuko niba twarageze kuri iyi ntera na ababyeyi babidufashijemo tugashimira abantu bose twahuye nabo kugira ngo badufashe kandi tugashimira n'urubyiruko duhura narwo dutega amatwi natwe tukabasha kurutega amatwi tukababwira tuti ntimugire ubwoba nyagasani Yesu arabakunda. Merci beaucoup. Sœur Emmanuel, vous pouvez donner quelques messages des gens qui sont suivis au Pacis TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette émission. C'est une grande joie pour moi d'être au Rwanda depuis 15 ans, d'être parmi vous. L'Église du Rwanda est une grande famille et je suis très heureuse ici. Je vous remercie de votre accueil et de ce partage d'une autre culture, d'une autre langue. Mwirangane, turi kumwe cyane, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Nshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko kandi ntitwabura kubabwira ko ushobora kugira ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kubaza ababikira nka nyuma yo gukurikira ikiganiro tugiranye ushobora gukoresha nimero twatanze mu kiganiro ni 07781281221 ubundi bakagusobanurira byinshi byimbitse kuko ntabwo byose twabivugira muri iki kiganiro ngo birangire. Reka dushimire cyane rero Sœur Marie Emmanuel ku butumwa bwiza yatugejejeho arakoze cyane. Reka tunashimire Marie Anastasie bene gusenga nawe ku butumwa bwiza yatugejejeho. Reka mfate umwanya nshimire nawe mwese mwarimu kurikiye Pacis TV muri iki kiganiro itsinda rigari ry'abanyamakuru abakameramani badufashaga kugira ngo amajwi n'amashusho by'iki kiganiro bitambuke neza kuri tekinike ndabashimiye cyane mwakoze namwe mwese mudahwema gukurikira gahunda za Pacis TV mukomeze kunogerwa na gahunda za Pacis TV Genarwera Beatrice ikiganiro kw'Imana naho ubutaha mugira amahoro.